enchaîne et j'ouvre une nouvelle gazette. On est toujours dimanche 10 juillet. Je triche un petit peu, mais encore, je ne sais pas si c'est vraiment de la triche. Mais j'avais envie de vous montrer tout de suite en fait mes jolies réceptions. N'importe quoi. Mes jolis achats du Touquet. Alors, ayant offert Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman Taylor à Eva, aux éditions J'ai lu, je me suis repris. Voilà, je vous en reparle pas. Vous pouvez trouver ma chronique sur mon compte Bookstagram, sur ma page. C'est un roman que j'ai adoré, qui a déjà été publié en fait il y a quelques années, en 1938, et qui a été publié plusieurs fois en suivant parce que c'est une merveille de 85 pages qui heurte et qui fait réfléchir, et ça parle d'histoire vraie, donc à lire absolument. Je vous en ai déjà parlé, donc je m'éternise pas. Ensuite, ayant offert ce roman à Alexandra, je me le suis racheté aussi. Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier, qui est sorti précédemment aux éditions Albin Michel. C'est un policier et thriller. Je vous relis rapidement la quatrième de couverture ou pas. Ça se passe en 1830, dans un Paris. Encore sous le choc des journées révolutionnaires, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges, susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le surnom du vicaire? Donc c'est un premier volet. Voilà, il y aura des suites. J'ai ma light, ma lampe là qui tient plus trop. Nouvelle tentative. Ma lampe là, ma ring light, elle est complètement démantibulée. Je suis obligée de la mettre sur le côté pour qu'elle tienne mon téléphone. Enfin, je l'ai achetée sur Amazon, mais franchement, n'y allez pas. Je vous le dis tout de suite. En plus, je ne l'avais pas payée si peu cher que ça. Donc franchement, n'y allez pas. Parenthèse fermée. Du coup, c'est un premier opus. Il y en aura d'autres. Et j'ai très envie de découvrir ce premier. Me faisait très envie. Donc ça, c'est au camion qui livre que j'ai acheté ça. Et j'ai acheté avec ces deux-là. Voilà. Celui-là, je l'avais en grand format, mais comme j'ai d'autres livres d'Adèle Bréau au format poche, j'ai souhaité continuer la collection au format poche, sinon c'est pénible dans la bibliothèque, les rangements. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy de Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise, la Benjamine, née bien plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les murs de la Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. Vous tombez encore. Donc c'est Frangine, au pluriel, d'Adèle Bréau. Excusez-moi de cet incident. Il me fait de l'œil depuis trop longtemps. Il est dans ma wishlist depuis trop longtemps. Il était là, j'ai pas résisté. Rien n'est noir, de Claire Berest. Je sais pas si je prononce bien. Donc c'est sur Frida Kahlo. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inventer la muelleté et la bida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un chartier, boit des trempées de tequila. Elle aime participer à des manifestations politiques, se mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment et se rendre dans des fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Par-dessus tout, Frida aime Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. J'ai vu une série
Non, j'ai vu un film, je crois, sur Frida Kahlo sur Netflix. Et je retrouve tous les éléments là-dedans. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il n'est pas très épais. Il fait 230 pages. Mais j'aime beaucoup Frida Kahlo. Donc voilà, petit plus dans ma bibliothèque. C'était quand même une femme pas banale, on va dire. Celui-ci, je ne sais plus du tout si je l'ai ou pas dans ma bibli. La librairie de la place aux herbes de Éric de Kermel. Il est resté très longtemps dans ma bibli, dans ma wishlist. Je vais aller voir si je l'ai ou pas. La librairie de la place aux herbes à Uzès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente et guide médiatrice. De Chloé, la jeune fille qui prend son envol à Bastien, parti à la recherche de son père, en passant par Tariq, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres. Je crois que je l'ai pas. Ce serait la surprise. Je commence à plus trop savoir ce que j'ai dans la bibli entre la wishlist et la pale. En tout cas, il est trop joli, et je sais qu'il est dans des éditions collector où il est trop trop beau aussi. Édition augmentée. J'imagine que ça a été revu du coup. Un petit 300 pages. Je crois qu'il y a un autre livre qui est de Éric de Kermel dans ma wishlist. Alors, ce qui est dans ma bibliothèque, celui-là peut-être. Il y était aussi, j'ai hésité à l'acheter. C'est avec un fond, une couverture rouge et un jardin en fond. J'ai plus le titre, je vous le remettrai ici ou ici. Et enfin, alors celui-là, c'était pas du tout prévu. Déjà, j'avais pas prévu d'acheter autant. Mais après avoir été au camion qui livre, en fait, j'ai voulu aller voir la maison de la presse du Touquet, dont j'entends beaucoup de bien depuis des mois et des mois, et où j'ai dû me rendre, où je devais me rendre pour plusieurs rencontres. Certaines ont été annulées. Du coup, je n'y avais jamais été. Et je suis tombée sur cette pépite. Regardez-moi le travail éditorial, s'il vous plaît. Non mais juste pour la collection en fait, j'étais avec Solène, la fille de mon beau-père, et je lui dis bah je le prends en fait. Je lis même pas la quatrième. Bon c'est pas vrai, je l'ai lu quand même, mais regardez-moi cette beauté. Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, aux éditions Nil. Roman japonais j'imagine. Best-seller international, traduit dans 36 langues. Une ode merveilleuse à la lecture et à l'imagination faisant écho au Petit Prince. Des chats, des livres, des amours de jeunesse et de l'aventure. De l'herbe à chat pour des lecteurs très variés. Ça c'est le résumé. Regardez-moi cette merveille. Voilà, il rejoint ma palle. Voilà, c'est tout. Ah oui. Donc dans mon petit tote bag, j'ai plein de petites choses. J'ai craqué pour ce marque-page, tu sais qu'il y en a à Martel, et là je me suis laissée tenter. Ce marque-page. Des crayons de bois Harry Potter. On a toujours besoin de crayons de bois. Pour mes livres à dessin. Enveloppe, ça c'est la petite dame qui m'a donné ça, c'est bien gentil. Des petites affiches pour mettre dans la pièce à lire. Un super méga giga marque-page So Many Books So Little Time. Et en fait, je pensais qu'il était aimanté, mais en fait, il est double, donc il prend la page en sandwich. Je galère. Et il y a un élastique comme ceci, donc j'ai trouvé ça sympa. Je sais jamais trop à quoi servent les élastiques, donc là. Et un petit carnet pour une bibliothèque idéale. Sous le format des livres des éditions Gallimard. Je pense qu'on est pas mal. Et j'ai eu ça en cadeau pour deux, j'ai lu acheter. C'est un petit marque-page. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Ça se voit que je suis trop contente ou pas. Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la semaine pour vous parler de mes lectures, pour vous parler d'une ou deux réceptions
Et voilà. L'été est là, il fait beau, il fait chaud, on est trop contents. Évidemment, quand vous voyez un peu qui y a là autour de la table, c'est pas ce qui caractérise uniquement leur livre, peu s'en faut, et il faudrait même pratiquement que tous ces auteurs et auteurs eux participent pratiquement à tous les débats, tellement les livres sont beaucoup plus riches que simplement de les ramener au simple humour. Vous êtes anglaise et vous parlez super bien français, comment ça se fait? Expliquez-nous. Alors vous êtes Anna Tedrou. Vous m'entendez? Oui. Alors, je suis arrivée en France en 1999. Donc, pardon, je suis française, je suis française. Voilà. Et donc, mes livres, ça se passe en France, en Provence. Avant d'écrire des enquêtes humoristiques, je travaillais dans une organisation internationale. J'ai des rapports très importants, très ennuyeux. Et à 41 ans, j'en pouvais plus. C'est indiscret de demander dans quel domaine? Le domaine était intéressant, c'était dans la culture, mais le travail. Moins, oui. Moins. Voilà, comme souvent dans les grandes administrations. J'ai changé de vie, j'ai tout changé. Donc il y a 41 ans, vous écrivez votre premier roman? J'ai fait ma crise de la quarantaine, on va dire. Et maintenant, je fais ça et j'adore. Voilà. Vous aviez déjà l'idée d'écrire avant ça, avant de... Oui, je pense que... J'ai pas bien, j'ai vite bifurqué sur autre chose. Moi, je viens du poker. Moi, je fais bien Depardieu. Mais c'est surtout les cascades. Alors, ça vous ennuie pas de nous en faire une petite, juste pour... Non, mais justement, j'étais très mauvais. Et le poker, ça a un peu mieux marché? Ça a un peu mieux marché. Parce que la joaillerie, visiblement, ça a bien fonctionné. Donc je ne sais pas si Jacques a un peu d'argent sur lui. On peut négocier sa retraite. Non, mais sans blague, vous êtes spécialiste du poker. Oui, spécialiste. Comment du on poker, se forme pour être spécialiste du poker? J'ai commencé à jouer en 2001, à jouer de l'argent en 2001. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu pro du poker. J'ai gagné ma vie comme ça. J'ai monté un magazine de poker. J'ai sorti des livres. Pas du tout récréatif, hein, des livres pour apprendre ou pour se perfectionner dans le jeu. Et puis j'ai fait beaucoup de télé, pendant 9 ans j'ai commenté tous les tournois qui se déroulaient à la télé, j'ai animé une émission de télé-réalité sur le poker. Donc voilà, je suis beaucoup plus connu dans le milieu du poker que du polar. Et alors pourquoi cette jonction entre les deux? Par passion, par intérêt pour la lecture et l'écriture en général, parce que j'ai quand même toujours plus ou moins écrit. Et puis parce que je lisais du polar, donc j'avais envie d'essayer, quoi, de voir ce que je valais, de me lancer dans la grande aventure. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. En revanche, c'est vrai que... Il n'y a pas de lien, je dirais pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de lien dans le fait de me mettre à écrire. Mmh.
fait trop chaud. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 15 juillet. Juste avant, vous avez vu des petites vidéos du feu d'artifice que j'ai vu hier. Voilà. J'espère que votre 14 juillet s'est bien passé. Moi, aujourd'hui, je fais le pont, donc je suis très contente. Ça me fait un long week-end avec un air de vacances. Et ça fait trop plaisir. Je viens vous montrer deux petites réceptions. Et vous parler d'une lecture que j'ai terminée. Donc là, j'ai ouvert le paquet. J'étais trop curieuse. J'ai reçu ce joli roman estival des éditions, aux éditions L'Archipoche, Duel au soleil de Angie Hockman. Franchement, je pense que c'est de circonstance. 387 pages. C'est écrit assez gros, je pense qu'il peut bien se lire. Je me souvenais plus de l'avoir demandé, donc c'était un peu la surprise dans la boîte aux lettres, pour le coup. Je vous lis la quatrième. Je suis désolée, c'est un peu sombre la vidéo, on est un peu dans le noir, j'ai fermé les volets pour la chaleur. Henley Evans, 28 ans, est accro au travail. Son dévouement est sur le point de payer. La voilà présélectionnée pour un poste de direction. Un seul problème, Graham Crawford Collins, son grand rival qu'elle n'a jamais vu, est lui aussi en lice. Pour les départager, il leur faut doper les réservations de croisière pour les Galapagos, en s'y rendant ensemble. Quand Henley rencontre Graham en chair et en os, la surprise est totale. Il n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Entre décors paradisiaques et cocktails acidulés, les préjugés de Henley vont être mis à rude épreuve. Est-elle prête à tous les sacrifices pour décrocher le job de ses rêves? Donc voilà, les deux protagonistes, j'imagine qu'ils sont là. Franchement, ça peut être la petite comédie feel good rigolote de l'été. Il y a des chances. Je pense qu'ils vont se tirer un peu dans les pattes. Et qui sera le grand gagnant? Alors, il y a des... c'est un peu vu et revu, donc à voir si je suis surprise. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Il me vient des éditions Prisma. Je crois que je sais ce que c'est. Vous avez vu aux éditions Prisma, il y a le nouveau Jenny Colgan qui vient de sortir. Il est trop beau. Les couvertures, franchement, aux éditions Prisma, c'est quelque chose. Donc je vais m'empresser de l'acheter. Bienvenue dans la librairie de Libby Queen. Merci beaucoup. Suniva, j'ai peur d'écorcher le prénom. Un roman drôle et optimiste qui donne le courage de réaliser ses rêves, selon Femme Actuelle. Je vais vous enlever le petit bandeau. Donc c'est la fabuleuse librairie de Libby Queen, de Freya Kennedy. Une petite couverture qui donne envie comme on les aime. Petit appareil photo, des chats, des livres. Une map, j'adore. Tout ce qui va bien, quoi. C'est trop bon. 320 pages. Et en fait, il est un peu rosé. Enfin, je sais pas. Moi, je le vois un peu vieux rose. J'adore les couvertures. Alors, la quatrième. Un rêve est fait pour être réalisé, n'est-ce pas? Libby Queen est une jeune femme sympathique. Quand l'agence de publicité pour laquelle elle travaillait nuit et jour la licencie, elle décide de se lancer. Avec ses indemnités, elle rachète une boutique carrément délabrée dans une petite ville d'Irlande pour ouvrir une librairie. Ok, j'adore. Il était un livre, sera accueillante, c'est le titre de la... le nom de l'enseigne de la librairie. Chaleureuse et vivante comme elle. En un clin d'œil, et un clin d'œil à son grand-père qui lui avait donné le goût de la lecture dès son plus jeune âge. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qui aidera Libby à mener à bien cet énorme travail de rénovation? Ses parents, ses amis de toujours, ses nouveaux copains de quartier? Sûrement. Son amoureux? C'est à voir.
Entre doute et certitude, Libby devra faire des choix courageux. Arrivera-t-elle à réaliser enfin son rêve le plus cher, ou lui échappera-t-il encore ? L'autrice est une ancienne journaliste irlandaise et l'une des plumes les plus attachantes du Royaume-Uni. Et l'autrice de nombreux best-sellers se différents noms de plumes. Ça, c'est toujours mystérieux. De toute façon, cet été, je vais lire des romans des éditions Prisma, c'est sûr. J'ai besoin de bons petits feel-good et... c'est pas mieux. Il fait sombre. Et je suis un petit peu en retard dans mes services presse. Merci les éditions Prisma. Ensuite, je viens vous parler de cette merveille. Quelle merveille. Alors déjà, je sais que je vous ai déjà parlé de la couverture, mais regardez-moi cette couverture. Enfin, franchement, sans savoir que c'est Charleston, sans avoir lu la quatrième de couverture, moi, j'arrive en librairie, je vois ça, ça m'interpelle. Le titre et tout, ça m'interpelle. Donc, je vous ai lu la quatrième de couverture dans ma précédente gazette. J'ai trouvé un chouïa de décalage entre l'histoire et la quatrième de couverture. Alors, je ne vais pas à l'arrière devant vous, mais en fait, ce que j'ai vraiment retenu de la quatrième de couverture, c'est que Grace arrive un peu par hasard dans une librairie. Et en fait, s'était plongée corps et âme dedans. Elle s'était découvert une passion pour les livres, mais surtout, pendant le Blitz, elle lisait des romans à voix haute pendant les bombardements. C'est surtout ça que j'ai retenu. Et en fait, c'est pas... J'essaie de pas vous spoiler. C'est pas la majeure partie du roman, selon moi. Déjà, j'ai trouvé que la première partie était longue à se mettre en place. On pose le décor, en fait, on prend le temps. Donc j'ai trouvé ça un peu long. J'ai eu du mal, à un moment donné, à revenir vers mon roman, alors que je me suis dit, bah, quand même, enfin, c'est pas n'importe quel roman, quoi. Et en fait, passé la moitié du livre, je l'ai plus lâché. J'ai été happée par ce roman, bouleversée. J'ai versé ma larme plus d'une fois à la fin, tant les émotions, je les ai vraiment ressenties, quoi, en fait. Je trouve que la guerre est vraiment, enfin, je pensais qu'on aurait une histoire de guerre en fond, si vous voulez. Et en fait, elle est quand même omniprésente dans le roman. C'est presque, je vais regarder après sur mon téléphone pour en savoir plus sur cette période historique, parce que vraiment, ça m'a intéressée, ça m'a interpellée. Le personnage de Grace est formidable. C'est clair que c'est pas un feel good. C'est clair que tout se passe pas bien. Mais c'est ce qui rend le livre, en fait, réel. J'ai vraiment été conquise par... C'est un énorme coup de cœur. Quand je le lisais, j'étais en train de me dire « Mais ça, faut que je le dise, ça, faut que je le dise. » Et en fait, là que je suis devant vous, les mots me manquent. Parce que j'ai envie d'être juste, en fait, en parlant de ce roman. J'ai tremblé avec eux lors des bombardements. J'ai eu peur pour les proches. J'ai été émue par certains drames. J'ai été dégoûtée par cette violence humaine qu'est la guerre, ce qu'ils ont pu voir. Enfin, on s'imagine pas, nous, nos jours. Enfin, si, on s'imagine, parce que finalement, c'est plus si loin. C'est plus forcément de l'histoire ancienne avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Mais c'est une période... J'en ai des frissons, en fait. Je sais pas comment... J'ai aimé cette bibliothèque. Je ne veux pas prendre l'accent anglais, c'est pas terrible. Je le refais. S'est plongée corps et âme dans la librairie. Son but, c'était de la rendre plus attractive. Donc la librairie, elle s'appelle... Évidemment, j'ai plus le nom. Je l'ai lu partout. J'ai pas pris de notes, en fait, pendant cette lecture. Des fois, ça m'arrive. Mais là, j'étais tellement à fond dedans que je voulais pas me stopper pour prendre des notes. Bon, ben, je vais vous le retrouver. Hein. Primrose Hill Books. Voilà. La fin, je vous en dis rien, parce que voilà. Mais franchement, cette deuxième moitié de roman, j'ai trouvé la première partie exigeante. Histoire de pas louper, parce que c'est quand même un roman sur fond. C'est quand même un roman historique, selon moi.
pas pure souche, mais il y a quand même une grosse, grosse partie historique, basée sur des faits réels. Donc j'ai essayé d'être, de lire doucement, de vraiment retenir les dates, retenir les événements, comment ça se passe et comment ça fonctionnait. Donc ça m'a demandé une certaine concentration. Et passé la deuxième partie, je l'ai trouvé peut-être un peu plus romancé. Et du coup, vraiment, j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. Je peux que vous le recommander. Si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale, il y a une petite part de romance à l'intérieur, mais vraiment, ça prend pas toute la place dans le livre. On suit le quotidien, en fait, d'une personne qui vit la guerre à Londres au moment de la seconde, enfin, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui a des petits soucis familiaux, qui vient à Londres avec sa meilleure amie pour travailler à Harrods, sauf qu'en fait, elle n'a pas de lettre de recommandation pour travailler là-bas, alors que sa copine vive, oui. Donc sa copine travaille là-bas. Et elle doit d'abord travailler 6 mois ailleurs pour avoir une lettre de recommandation et pouvoir espérer travailler dans ce grand magasin luxueux qui est Harrods. Désolée pour mon accent. Et du coup, elle se retrouve à la librairie, un peu comme ça. Et au fil de ces rencontres, je vous fais le pitch après, pas chercher à comprendre. Au fil de ces rencontres, on lui met entre les mains un livre qui est le Comte de Monte Cristo. Est-ce que je dis n'importe quoi ou pas? Si je dis n'importe quoi, je vous le redirai en dessous. Parce que ça, je vais pas le retrouver. Et en fait, elle est complètement... Ça crée un déclic en elle et elle se plonge corps et âme dans les livres. Elle s'attache énormément au libraire plutôt acariâtre qui finalement l'a accueilli un peu contre sa volonté dans la librairie. Il voulait qu'en fait elle touche à rien, donc en gros elle pouvait ne pas venir travailler et être payée quand même et elle aurait sa lettre de recommandation au bout des 6 mois. Parce que vraiment il voulait pas spécialement d'elle. Et puis finalement, à la fin il y a une très très jolie, c'est même pas une amitié, je trouve que c'est au-delà le lien entre ce libraire âgé et Grace. Qui s'installe et qui est magnifique. Donc vraiment, tout est... j'ai rien à redire sur ce roman. Si vous ne l'avez pas déjà, eh ben faut l'acheter. Et si vous l'avez, ben faut lire. Il se lit super bien. Moi, c'est juste parce que j'ai manqué un petit peu de temps, mais franchement, en 2-3 fois, il se lit et il laisse pas indifférent. Vraiment. Voilà. Je suis sûre que j'ai oublié de vous dire plein de trucs. Ouais, le Blitz, c'est, je connaissais pas forcément cette période historique à Londres. Enfin, si, j'en ai entendu parler, mais pas autant détaillé. Et le fait que les gens se cachaient dans les métros, etc. c'est... Il y a des passages assez difficiles, quand même, en vrai. Donc, voilà. J'espère vous avoir donné envie de le lire un petit peu. Même si je cherche mes mots. Mais c'est surtout pour pas dire de bêtises. En tout cas, c'est un livre qui parle de livres. Donc, si vous êtes comme moi, des amoureux des livres, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas. Voilà. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Qui restera très 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 longtemps dans ma mémoire. Du coup, en ce moment, enfin je viens de commencer, j'en suis au tout début. je vais enchaîner avec ce livre, L'enfant étoile de Catherine Engberg. Dont je vous ai lu la quatrième de couverture, je crois, dans une précédente gazette. Donc c'est pour le prix Nouvelle Voix du Polar. Voilà, j'attaque un roman par la catégorie auteur étranger ou roman étranger, je ne sais plus. C'est celui-ci. Et puis j'en profite pour vous montrer 2 petits achats. Mais je vous l'ai dit, je crois. Je vous les ai montrés ou pas? Je sais plus du tout. En faisant mes courses, tout simplement. Un acheté, un offert. Celui-ci était offert. Enfin, il y en avait plusieurs, mais j'ai choisi celui-ci parce que je n'ai pas de roman de Sophie Talman, parce que je n'ai jamais lu Sophie Talman et qu'en fait, j'en entends beaucoup de bien. Donc, je me suis décidée sur Entre mes doigts coule le sable. J'espère juste que c'est pas une suite parce que je suis un peu perdue dans ces romans, je connais pas trop. Il est sorti quand? Donc, c'est aux éditions Albin Michel et il est sorti en 2017. Donc, il n'est pas forcément de première jeunesse. Je vous lis la quatrième de couverture. Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est interne à l'hôpital. Marie-Lou, qui a quitté sa Savoie natale pour Brest, et Mathieu, le ténébreux surfeur, sont tombés amoureux au premier regard.
Mais entre leur stage en psychiatrie et en neurochirurgie, les nombreuses gardes à effectuer, les apéros aux gobes mouches et les fêtes carabines, leur histoire d'amour n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt la valse des sentiments. Surtout quand leurs proches deviennent leurs patients. Mathieu parviendra-t-il à vaincre ses peurs et à laisser Marie-Lou entrer dans sa vie? Marie-Lou apprendra-t-elle à laisser glisser le sable entre ses doigts? Et bah franchement, la quatrième de couve me tente beaucoup. Je sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais je crois que Sophie Talmen est médecin. Du coup, ça fait un peu écho en moi, cette histoire. Enfin, écho en moi. Je me dis que c'est pas une coïncidence si elle parle de médecin. De médecine? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Et puis, j'ai acheté à ma maman Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, parce que je trouvais que c'était dommage qu'elle passe à côté. Et comme j'étais la voir au Touquet dernièrement, je lui ai fait dédicacer. Et avec, je me suis pris c'est une nouvelle, je crois, de Laure Manel, la toute dernière fois. Ça faisait un moment que je le croisais, ça faisait un moment qu'il me tentait, donc j'ai franchi le cap, désolée pour les reflets. Souvenez-vous, de la dernière fois que vous avez vu votre meilleure amie, de la dernière fois que vous avez vu la mère, de la dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Tout au long de ce recueil, entre nostalgie, heureuse, légèreté, gravité et mélancolie, vous vous identifierez à ces tranches de vie, vous sourirez, l'émotion sera peut-être palpable, et vous penserez à toutes vos dernières fois, vécues et à venir. Vous aurez alors sans doute une seule idée en tête, vivre à 100%. Voilà. Puis il n'est pas très épais, il fait moins de 200 pages, non, il fait 220 pages, non, même pas, 212 pages. Du coup, je crois que j'ai tout cela de Laure Manel, il me manque le croquant de la nougatine. Et du coup, potentiellement, je vois Laure Manel samedi 16 au Touquet encore. Je dis potentiellement parce que je suis pas très sûre de moi. Est-ce que je vais avoir la motivation d'y aller ou pas? C'est plus la route, en fait, qui m'a fatiguée ces derniers temps. Voilà pour les deux achats aux éditions Le Livre de Poche. Du coup, je vous reprends ce week-end. Bah, si je suis au Touquet, je vous reprends forcément. Et si je suis pas au Touquet, je vous reprends pour vous montrer mes achats du festival Paul Artifice. Je suis en train de me dire, en vous l'annonçant, que je ne vous ai pas du tout... J'aurais dû commencer la gazette par là, puisque vous allez voir les images avant. Voilà, voilà. Bon, moi, je suis pas... la chronologie, tout ça, c'est pas mon truc. C'est un peu décousu. J'en suis désolée. Je vous dis à très vite. Ciao. Du Pôle Artifice, comme promis. Ce matin, j'ai été faire un petit tour à la brocante, je vous ai fait une petite vidéo, mais je vous montrerai peut-être ça dans la prochaine gazette. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le polar. Alors, je vais peut-être commencer par les livres que j'ai amenés. Il y en a qu'un, en fait, parce que j'avais amené celui-ci, Les Cicatrices de Claire Favant, qu'en fait, j'avais déjà dans ma palle, et en fait, je l'ai loupé. C'est-à-dire que je l'ai vu à la table ronde, je l'ai vu après, et au moment où j'ai été faire ma dédicace, et ben, elle était partie. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois, je l'ai croisée aussi à Saint-Maur. Attendez, j'essaie de vous cadrer, parce que ma ring light en fait encore des siennes. J'ai pu revoir Anna Tejou. J'avais acheté le tome 2 exprès à Saint-Maur en poche pour avoir ma petite dédicace, et en fait je l'ai revue là, donc elle m'a refait une petite dédicace. Pour Héloïse, en souvenir de notre deuxième rencontre, cordialement, Anna Tejou. Et j'ai hâte de le lire vraiment cet été, celui-là. Je vais le mettre dans ma palle dès que je clôture cette gazette. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai revu Alexis Lebsker. Je l'ai vu pour la première fois au Quai du Polar, début avril. Et je lui ai acheté son dernier roman, Les Poupées, qui me tentait énormément. Donc là, j'ai pris « Et avec votre esprit », qui a reçu le prix du meilleur polar français, aux éditions Pocket. Celui-là, c'est HarperCollins Poche.
donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Celui-ci, je ne vous lis pas parce que je vous l'ai déjà présenté. Désolée pour ce bouton qui sort là. J'en ai entendu beaucoup de bien, moi il me tentait peut-être un peu moins, mais en fait en relisant la quatrième de couverture sur place, j'ai complètement craqué. Et je me suis dit, ça n'en fera que deux d'Alexis Lebsker. Je crois qu'il a écrit 3 ou 4 romans. J'arrive pas à le relire. C'était déjà le cas la fois dernière. Pour Héloïse, j'espère que Simon Nanana, doit être son personnage, réussira à vous bluffer. Très bonne lecture à vous. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine phase de Strasbourg, un prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé, littéralement de son cerveau. 4 jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Verne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15%. Probabilité que le carnage continue, 100%. Écrit S.A.N.G. Donc, c'est un beau petit bébé de 450 pages quand même. Mais du coup, je ne sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais lire les poupées en premier. Mais alors quand, je ne sais pas. Parce que tous les livres que j'ai achetés au Quai du Polar, comme je vous disais la fois dernière, je ne sais plus si c'était sur Bookstagram ou ici, j'ai très envie de les lire depuis le mois d'avril. Et en fait, je trouve pas le temps. Donc ils m'attendent dans ma bibliothèque. Et franchement, ça me contrarie beaucoup. Donc Alexis Lebsker, qui est très sympathique, très abordable et avec toujours une petite touche d'humour. Donc j'adore. Ensuite, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai été à la rencontre, il y a du sable dans mes livres. Sauf que là, je viens de les poser sur mon lit. J'ai été à la rencontre de Johanna Gustafsson. J'ai carrément pris la trilogie. En fait, je l'ai attendue à Saint-Maur-en-Poche. Elle n'est pas arrivée. D'ailleurs, je lui ai dit. J'ai dit, voilà, vous n'étiez pas là. Elle m'a dit non. Je lui ai dit qu'il y avait du monde et tout et que j'avais loupé du coup. Et en fait, c'est ces deux-là qui m'intéressaient à Saint-Maur. Sauf que c'est une trilogie et que le premier, c'est celui-là. Voilà, voilà. Donc, petite dédicace pour Héloïse. Le tout premier de la série ou de l'enfant. Je comprends pas l'écriture. Le tout premier de la série. Royal. Aucun bloc 46 de l'enfer neige. C'est pas clair. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ça va peut-être nous donner des indices. Falkenberg. Le commissaire Bergstrom découvre le cadavre affreusement mutilé d'une femme. Londres. Profileuse de renom, Émilie Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants. Les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise, trachée sectionnée, yeux énuclés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de lieu de chasse et de type de proie. En Suède, Émilie retrouve Alexis Castel, écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald en 1944. Entre grande histoire et liens familiaux, le premier roman de Johanna Gustafsson a déjà conquis plus de 20 pays. Et ce que j'aime bien en fait, alors je sais plus là lequel est le deuxième. Je crois que ça c'est le 2, si je me trompe. Ou alors ça c'est le 2. Non, allez, je reste sur la première idée. Je dis que ça c'est le 2. Si c'est pas ça, je vous retirerai. Pour Héloïse, sur les traces de Jack, l'infâme éventreur. En Suède, sur les rives d'un lac, un tueur abandonne un corps dépecé, laissant les cuisses et les fesses amputées. À Londres, une femme disparaît. Ses chaussures ont été déposées devant chez elle, dans un sachet zippé. Ces deux crimes portent la signature de Richard Enfield, un serial killer enfermé depuis 10 ans à perpétuité. Comment expliquer qu'il recommence? Pour remonter aux racines du mal, la profileuse Émilie Roy et l'écrivaine Alexis Castel doivent affronter leur propre passé. Je sais vraiment plus si c'est le 2 ou 3. En tout cas, vous avez vu, à chaque fois, il y a un parallèle avec Londres et on retrouve les mêmes personnages. Donc ça, vraiment, ça m'a tenté et je crois que mon préféré, c'est celui-là. En Suède, une famille est massacrée dans sa luxueuse demeure. Ce fait divers macabre rappelle sur ses terres Aliénor Lindberg, une jeune autiste Asperger, donc déjà j'aime beaucoup, récemment entrée comme analyste à Scotland Yard. Ce sont ses parents qui ont été assassinés.
La profileuse Émilie Roy la retrouve à Falkenberg où l'équipe de commissaire Bergstrom mène l'enquête aux côtés d'Alexis Castel, une écrivaine spécialisée dans les crimes en série. C'est un peu redondant. Ensemble, ils remontent la piste sanglante du tueur jusqu'à la guerre civile espagnole lorsque le dictateur Franco réduisit toute résistance au silence dans le sang. Bon, je sais pas. En tout cas, je les aime tous. Franchement, je vous redirai quel est le deuxième, quel est le troisième. Mettez-moi un petit commentaire si vous savez. Et j'ai hâte de découvrir cette autrice. Elle m'a présenté son dernier roman. Enfin, je l'ai questionnée sur son dernier roman. Il avait l'air trop bien. Le tout nouveau. Donc, je vais déjà commencer par ça. Et je vous ai pas dit. Donc là, c'est bloc 46. Mort, mais je pense que ça se prononce pas comme ça. Et sang, mais je pense que ça se prononce pas comme ça. Vu que tout se passe en Suède, à mon avis, c'est des mots suédois. Voilà. Je me suis laissée tenter par... Il y a vraiment du sable. Mes nuits... Alors, c'est aux éditions Hauteville Suspense. Désolée, je vais vite, c'est parce que j'ai déjà 35 minutes de gazette et j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si je loupe des trucs, si j'oublie de mentionner certaines choses. Mes nuits avec Bowie, de Rosalie Lowy, aux éditions Nouveaux Auteurs. Donc je crois que c'est une branche des éditions Prisma, si je dis pas de bêtises. Dites-moi aussi en commentaire si vous savez. Pour Héloïse, belle rencontre avec une fantasque Romy et sa drôle de famille. Amitié. Romy ? Ah ouais. Donc j'étais intriguée, je pensais que c'était Bowie le chanteur. Je comprenais pas tout. Déjà j'aime bien la couverture, pardon. Je suis fatiguée. Attendez. Voilà, en fait j'ai le petit chat qui est dehors. Et comme dans la rue il roule comme des malades, j'ai entendu un bruit, je sais pas si c'était une voiture ou le petit chat. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Et j'ai été séduite par la quatrième, c'est le seul brochet que j'ai acheté. Et puis je découvre totalement l'autrice en fait à travers ce roman. Romy a 16 ans, un amoureux, une famille formidable qui l'adore et la protège. Et un gros chat, nommé Bowie. On se refait pas. À qui elle confie ses pensées la nuit. La vie pourrait être un petit paradis pour cette adolescente attachante qui n'a pas les yeux ni la langue dans sa poche. Sinon qu'au lycée, Romy, excellente élève, est aussi petite et trop ronde et violemment harcelée par une camarade jalouse. Et un matin, le ciel lui tombe sur la tête. Romy apprend que la jeune fille est à l'hôpital, dans le coma, après avoir été enlevée et séquestrée. En tête de liste des suspects, Romy voit tout son univers basculer. Un roman poignant sur les tourments de l'adolescence et la puissance de la famille. C'est un roman noir. À première vue, j'aurais pu dire que c'est un roman jeunesse, mais je pense qu'en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que quand on parle d'adolescente, ça peut être trompeur. Il est un peu partout dans le salon, je ne sais pas trop ce que ça représente, je vous avoue. Voilà, et c'est également l'autrice de Dernier été sur la côte. Je ne connais pas du tout, moi. Grande découverte. Mais c'est ça qui est bien, ils sont hyper sympathiques, les auteurs, quand c'est comme ça, ils disent bah, ça sert aussi à ça, les salons, en fait, ça sert à découvrir de nouveaux auteurs. Et voilà. On n'y va pas que pour ceux qu'on connaît. Et là, je me suis laissée tenter. Alors, il m'en reste deux. Par un livre que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. De Cendres et de Larmes, de Sophie Loubière, qui est très très abordable, qui m'a parlé de tous ses romans. Et du coup, je me suis laissée tenter par celui-là. Mais je suis quand même sceptique parce que j'ai peur de qu'il soit indigeste de par l'histoire, en fait. Madeline, Christian et leurs enfants vivent à Paris et rêvent d'un appartement plus grand où chacun aura son espace. Jusque-là, très bien. Quand l'occasion se présente pour Christian d'obtenir un poste de conservateur de cimetière avec un pavillon de fonction, la famille Mara n'hésite pas. Déjà, on sent qu'il y a un truc louche. Tandis que Madeline, caporal, chef, sapeur-pompier, sauve les vivants, Christian veille les morts. Mais rapidement, la situation se dégrade et perturbe les enfants. Une étrange moisissure apparaît derrière les meubles. Christian s'abîme dans une passion retrouvée, la peinture, et donne naissance à des toiles dérangeantes. Déjà mise à rude épreuve sur le terrain, Madeline doit faire face à son couple qui se fracture.
Lentement, insidieusement, la maison révèle ses fêlures et celles de ses occupants. Je vous cache pas que ça me fait flipper. Une tension oppressante qui maintient le lecteur à la frontière du thriller et du surnaturel grâce à une intrigue qui réveille l'imagination. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce que c'est un... Donc c'est des romans psychologiques. Et du coup, c'est un huis clos, elle m'a dit que oui. Donc voilà. J'ai un peu peur d'avoir peur. Je pense que c'est un truc qu'il faut que je lise l'été en plein jour. Pas l'hiver, quand il fait nuit à 16h, non. Voilà. Ah, la petite dédicace. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et sur les autres livres aussi. Un roman. Plein d'émotions et de suspense qui joue avec vos nerfs. Bonne découverte. Et j'ai un petit tampon. J'adore les petits tampons. Voilà. Et le dernier. Aux éditions HarperCollins Poche. Il était dans ma wishlist depuis un moment. Du coup, je vais découvrir La Plume de Jérémy Vulk, qui est très très sympathique. Les loups-garous d'Argentine. Je lui ai demandé tout de suite si c'était pas une suite. Il m'a dit non, c'est que des one-shots, donc très bien. Et là, je crois que son nouveau roman vient de sortir. Peut-on combattre le diable? Alors, j'aime moins la couverture. 666, aux éditions Pygmalion. Et si vous découvriez que votre famille était construite sur un mensonge? Flic émérite Arnaud Szymanski connaît pourtant une mauvaise passe à la suite d'une bavure. Sur la sellette depuis plusieurs mois, il tente de sortir la tête de l'eau. Or, quand on lui annonce le décès de son grand-père, c'est le coup de grâce. Véritable héros rescapé d'Auschwitz, amateur d'art, le pilier de la famille vient de disparaître. Afin de soutenir son père, Arnaud vient prêter main forte pour vider la maison du défunt. Il y trouve d'abord de mystérieux carnets dont il ignore s'ils sont écrits de la main de son grand-père, avant de faire une découverte plus surprenante encore. Et affreusement dérangeante. Déterminé à percer les secrets de son aïeul, Arnaud profite de sa suspension pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Voilà, donc je pense que c'est sur fond historique, enfin c'est sûr même en fait, puisqu'il était à la table ronde polar et histoire, ou quelque chose en tout cas dans ce genre-là. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc c'était que des auteurs très sympathiques. Ah oui, je vous ai pas ramené mon tote bag aussi, je l'ai oublié en bas. C'est le tote bag du coup de Petroni, ben, vous l'avez vu en photo juste avant. J'ai pu faire dédicacer Olivier Norek directement sur le tote bag. Et quand il m'a vu avec le tote bag, il a dit « Ah, moi j'adore les tote bags !» Donc voilà, trop bien. C'est des dédicaces un peu originales et je trouve le concept très sympa. Ah oui, mes petits goodies. Donc je vous ai montré hier... Alors, non, c'était sur Instagram. J'ai reçu ça. Enfin, j'ai choisi ça. Murder Party Pocket, jeu de 6 sous verre. On a été tellement gâtés. La base. Presque, pas toujours. J'aime bien le dernier. Ils sont tous trop beaux. Ça fait combien de minutes que je parle? 14. On a tous quelque chose à cacher. Je sais plus si je crois que je vous l'ai dit la fois dernière, mais je suis fan de goodies. Je me découvre une passion pour les goodies. C'est terrible. Mais quand je vous dis terrible, c'est que... c'est une passion qui est en train de me gagner férocement. J'ai une petite boule à thé. Ça, j'imagine que c'est pour mettre sur la tasse. Toute simple. Je m'attendais à autre chose, mais c'est pas grave. De chez... Folio, policier, c'est toujours utile. Et je me suis pris des petits crayons de bois. J'ai fait quand même dans l'utile, vous remarquerez. Bon, à part la boîte, mais je vais mettre des choses dedans, c'est sûr. Des petits marque-pages, c'est sûr. Le livre de poche. C'est un guet-apens, méfiez-vous de l'eau qui dort, noir c'est noir, 22 v'là les flics, l'occasion fait le larron, la nuit tous les chats sont gris. J'adore, je suis trop fan. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Je dirais pas que je suis plus heureuse d'avoir des goodies que les livres, pas du tout, vraiment pas du tout, mais c'est vrai que... Je m'aperçois de plus en plus que j'adore ça en fait. C'est des beaux petits souvenirs qui nous rappellent les événements, tout comme les livres. Mais les livres, une fois qu'on les a vus, on les classe dans la bibliothèque.
Évidemment, ça crée des souvenirs, mais ça, on peut les utiliser. Voilà, c'est tout pour moi. Donc franchement, pour revenir une dernière fois sur le pôle artifice, c'était... j'ai trouvé ça merveilleux en fait. C'est bizarre de dire ça pour un... pour parler de polar ou de thriller, mais c'était merveilleux, c'était les pieds dans le sable, super bien organisé, on est super bien accueillis par la maison de la presse du Touquet qui fait ça, qui est partenaire, qui organise ça aussi. Le décor était juste sublimissime, vous avez vu les photos avant, enfin avec une empreinte de cadavre au sol, mais enfin, il y avait allez, deux, trois tentes, trois barnums. On avait des transats sur le sable pour les tables rondes avec des parasols au-dessus. Non, c'était génial. Les auteurs très abordables parce qu'il n'y avait pas grand monde. Du coup, faut pas en parler trop fort pour pas qu'il y ait plus de monde qui vienne. Mais vraiment très très chouette. Moi, j'y suis allée qu'une journée. Je pensais y aller deux jours. Mais peut-être l'année prochaine, je me prendrai un petit hôtel ou autre. Et enfin, même pas. Je suis pas très loin en vrai. Trop trop bien. Le camion qui livre, c'est pareil, c'était très très sympa. Moi je suis fan, j'ai été très contente de retrouver les auteurs, évidemment, de les rencontrer. Mais alors le camion ambulant avec les livres à l'intérieur, top quoi, top top top. Mais petit coup de cœur pour le pôle artifice, vraiment. Pour la maison de la presse du Touquet, que j'ai vraiment, j'y suis allée, je l'ai dévalisé, aussi bien en goodies, aussi bien en accessoires livresques, marque-page, crayons de couleur, tasse. Moi, tout y passe en fait. Même si c'est pas vraiment livresque, mais on boit un petit thé ou un petit café ou un petit chocolat chaud avec un livre, bien volontiers. J'ai acheté des livres là-bas aussi, comme je vous ai montré précédemment. Donc, gros coup de cœur. De toute façon, la ville du Touquet est une ville magnifique. Plein de petites balades abritées des arbres en forêt. Plein de belles maisons. La plage est sublime. Le centre-ville est très sympa. Pas très grand, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, si vous êtes pas loin ou si un jour vous venez en vacances par ici, tous les ans, en juillet, il y a le camion qui livre, sauf Covid, mais là je pense que ça n'arrivera plus. Tous les ans, en juillet, enfin depuis 3 ans, il y a le pôle artifice. La directrice de la maison de la presse nous a dit à l'année prochaine pour une 4e saison. Et j'ai trop hâte. Et franchement, moi j'ai, en fait, je m'aperçois que entre le camion qui livre, mais encore plus avec le pôle artifice, je rencontre plein d'auteurs que j'ai été voir à Lyon, que j'ai été voir à Paris. Ça me coûte cher en déplacement, ça me coûte de l'énergie, ça me coûte du temps de travail, parce que pendant ce temps-là, je pose des récup, comme j'ai déjà pu vous dire. Donc en vrai, faut attendre juillet, quoi. On peut tous les voir. Non, j'en ai vu plein. Alexis Lepsker, je l'ai vu au Quai du Polar. J'aurais pu aller voir quelqu'un d'autre à la place. Johanna, j'aurais pu la voir à Saint-Maur. Franchement, Saint-Maur, je pense que j'irai plus. Parce que la plupart des auteurs que je voulais voir à Saint-Maur, en fait, sont ici. Elle était à Saint-Maur en poche. Elle était à Saint-Maur en poche. Donc Saint-Maur, voilà. Claire Favant, elle était à Saint-Maur en poche. Jérémy Vulc, que je ne sais pas, mais il y a des chances. Mais j'avoue que je ne sais pas. J'ai pas l'info. Et Rosalie Bowie, je ne sais pas non plus. Juju, j'étais à la soirée de lancement. Julien Rampin. Anne-Gaëlle Lyon, j'avais pas pu aller à sa soirée de lancement parce que j'avais le Covid. Mais sinon, ben voilà. Et au final, dans un cadre comme ça, après il a fait beau. Donc quand il fait beau en bord de plage, c'est sûr que c'est top. Mais voilà, vraiment, je suis trop trop contente de cette découverte. Ah oui, j'ai pas été voir leur manel hier pour cause de fatigue. Je suis un peu dégoûtée de pas y avoir été en fait. Après, leur manel, je la vois assez régulièrement. Je l'ai vu l'an dernier, c'est vrai que cette année je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas fini. Normalement, au mois de novembre, je vais à Brive. Normalement. Donc on verra bien ce que ça dit. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Oui, j'ajoute juste aussi que bah, du coup, les salons comme ça, aussi bien dans la région que. Bah, en vrai, enfin, la plupart sont à Paris. Mais au détour du coup de salons dans la région. Il n'y en a pas 50 ici, en Picardie. Ça permet aussi de rencontrer d'autres bookstagrammeurs et bookstagrammeuses et c'est toujours très sympa. Voilà. J'ai Aurélie que je croise quelques fois et puis il y a des bookstagrammeuses qu'on voit moins, mais c'est toujours sympathique de se faire un coucou et d'échanger et de prendre les bons conseils qui sont à prendre. Du coup, je vous dis
à la semaine prochaine, très probablement. J'espère que cette gazette d'une lectrice vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me donner vos avis sur les livres que j'ai présentés, à me dire si vous les avez lus, si vous les avez dans votre palle, si vous comptez les acheter, ce que vous pensez aussi du pôle artifice, ce que ça vous tenterait de venir, enfin voilà. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si la gazette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours sympathique aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.